venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera, ella está allá en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena, ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Báilame muy dentro de mi corazón, enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida, la mujer tiene un mi vida, ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Qu'est-ce qui se passe, Miguel? Ne me réponds pas par une question, Raimundo. À quoi tu joues avec Isabelle? Avec Isabelle? À rien, mon frère, à rien. Calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Arrête! J'en ai assez de te voir l'espionner et l'embrasser dès que tu peux. Vous vous êtes suffisamment donné un spectacle comme ça. Alors comme ça, maintenant tu as assez de temps pour superviser ma vie. C'est quand même très curieux. Très curieux. Raimundo, je ne veux pas que tu t'approches d'Isabelle. Elle, c'est la veuve de Rodolfo. Alors s'il te plaît, ne cause pas davantage de problèmes, tu en as déjà assez fait, je t'en prie! Mais qu'est-ce qui t'arrive, frérot, hein? Ça ressemble à une scène de jalousie. C'est parce que tu tombes toujours amoureux des femmes de Rodolfo? Quoi? Arrête-toi! Cette histoire, c'est du passé, et je ne te permets pas d'insinuer que et je moi, sais... je ne te permets pas de t'occuper de ma vie de cette façon. Et si j'aime Isabelle, c'est mon problème, c'est ma vie. Et je fais ce que je veux de ma vie. Est-ce que c'est clair? Madame Bernarda, je... Non, Isabelle, ça va. Rolando m'a expliqué que ta mémoire va revenir petit à petit. Mais enfin, comprends que je sois un peu étonnée. Je ne pensais pas que tu puisses oublier le nom de David. David? Mm-hmm. En fait, je voulais vous dire il s'appelle David. Et tu vas recouvrer la mémoire petit à petit et tu sauras pourquoi vous l'avez appelé David et pas Rodolfo. Mm-hmm. Je tiens à vous dire, madame... Mm-hmm. Que j'aime cet enfant comme si... Mais ça se voit. Tu n'as pas besoin de me le dire, je le sais. Moi aussi, je veux te dire quelque chose. Je suis grâce à toi l'une des femmes les plus heureuses du monde, ma chérie. Et je t'en serai reconnaissante pour toujours. Et tu pourras compter sur moi pour tout ce que tu veux. Aussi, je te remercie de toute mon âme pour l'amour que tu donnes à mon petit-fils et pour ce que tu es. Hmm? Ciao. Je crois que nous pourrions organiser les fiançailles pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu en penses, Vivi? Ce que tu décideras me conviendra très bien. Parfait. Mais enfin, ce n'est pas un enterrement, Viviana. Ce sont tes fiançailles. Alors un peu d'enthousiasme. Ah, tu arrives pile au bon moment, chérie. C'est parfait. Nous étions en train de définir une date pour les fiançailles de ta fille. Que penses-tu de la semaine prochaine? Mon opinion compte aussi. Oh, mais enfin, ne sois pas aussi désagréable, Gaëtan. Il s'agit presque de ta fille, mon amour. Sa belle-fille, maman. Monsieur Gaëtan, on ne définira pas la date des fiançailles sans votre approbation. Alors la date que vous trouverez me conviendra parfaitement. C'est merveilleux. C'est merveilleux, chérie. Et qu'est-ce que cette chemise te va bien. J'avais aussi pensé, mon amour, que ce serait bien d'en profiter pour offrir à la petite un bon paquet d'actions. Ce serait tellement élégant, tellement généreux. Et il faut rattraper les Aristiglietta parce qu'ils ont donné 20% d'actions à Raimundo. Et tu comprendras bien que nous ne pouvons pas les laisser prendre de l'avance sans réagir, n'est-ce pas ? Très bien, d'accord. Je suis d'accord avec toi. Pour assurer le bonheur de Viviana, toutes les initiatives sont bonnes et le moment venu, c'est moi qui t'offrirai ta robe de mariage. Maintenant, si vous le permettez, pardonnez-moi, mais je vais me coucher. Oui, mon amour, va te reposer. Et merci. C'est tellement merveilleux, tout ça. À partir de maintenant, nous allons être une famille heureuse.
Qu'est-ce qu'ils veulent, grand-mère? Maintenant, tes avocats sont mûrs et savoureux. Mais n'oublie pas qu'il faut d'abord les goûter. Et souviens-toi, si tu ne te décides pas à choisir entre deux lapins et que tu les cuisines en même temps, l'un d'eux brûlera. Grand-mère, j'ai jamais été forte en devinette, tu sais. Alors je comprends rien à ton histoire d'avocat et de lapin. Ramène-moi à la maison. Je veux voir maman Trinidad et Grégory. Tu ressembles à la sainte obstination, ma chérie. Tu ne pourras pas lutter longtemps contre ton destin. Ou alors tu ne rencontreras que des larmes et de la douleur. La vie est comme une mission, et tu dois t'évertuer à respecter cette mission. Et n'oublie pas, cet enfant est ton destin. David, grand-mère. Oh non. Non, grand-mère, ni lapin et ni avocat. Aïe. Ah, mais laisse-moi un peu en paix, t'es même dans mes rêves. Aïe. David, grand-mère, il s'appelle David. Pour au moins quelque temps, sa nouvelle maman va prendre soin de lui et lui donner beaucoup d'amour. C'est toi qui décides, grand-mère. Qu'est-ce qu'il est mignon, ouais. Oh, mon bébé fait de beaux rêves. Un mensonge. Tout ça n'est qu'un horrible mensonge. Madame Bernarda? Madame Bernarda? Vous permettez? Eh bien... Oh, qu'est-ce qui fait sombre dans cette chambre, hein? Regarde comme il fait noir, hein? Cette chambre a l'air tellement... tellement triste. Tu ne trouves pas qu'elle est triste, mon petit cœur? Mais tu sais ce qu'on va faire, toi et moi? On va arranger tout ça. Oui, on va arranger tout ça. Regarde. Regarde ces grandes et belles fenêtres. Elles sont fermées. Il faut les ouvrir. Voilà, un peu de lumière. Oui. Et pourquoi ces couvre-lits sont si tristes? Faudra les changer, mon amour, mais en attendant, on éclaire toute cette pièce. Oh, non. Il faut que je raconte ça aux Aristigueta. Bonjour, Feli. Bonjour, Estella. Dis-moi que tu vas encore me préparer ce délicieux petit café que tu fais si bien. Eh bien, Feli, qu'est-ce qui t'arrive? Je te fais rire. Non. Non. Mais calme-toi, ma fille, arrête de crier comme ça. Maman. Je suis venue vous annoncer une très bonne nouvelle. Isabelle a commis une erreur. Figurez-vous qu'elle est entrée dans la chambre de Madame Bernarda, elle a ouvert les fenêtres et elle a aéré la pièce et tout changé. Madame Bernarda ne va pas du tout apprécier. Elle n'a jamais autorisé quelqu'un à ouvrir ses fenêtres depuis... la mort de Rodolfo. Oh, mon Dieu, ça va faire un scandale. Oui, mais nous, fort heureusement, nous n'avons rien fait. Que se passe-t-il? Pourquoi tu cries, Estella? Non, ce n'est rien, Madame Bernarda. Vous savez qu'Estella exagère toujours. Ses cris étaient dus à la nouvelle coiffure qu'elle s'est faite. C'est rien. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui s'est passé dans votre chambre. Dans ma chambre? Que s'est-il passé dans ma chambre? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est tout ce bazar dans mon salon? Et c'est quoi ces cartons dans ma chambre? Tonia, ce sont nos affaires, tu te souviens? Tu as dit toi-même hier soir à Climaco qu'il pouvait les mettre dans ta chambre. Moi? Non, je n'ai jamais pu dire quelque chose comme ça. En tout cas, je ne veux plus les voir. Non, enlevez immédiatement ces choses de ma chambre, je ne veux plus les voir. Très bien, ça va, je les enlève, ma tante. On ne veut pas vous déranger, nous. Et pourtant, hier, vous nous avez dit que nous sommes les bienvenus et qu'une famille est unie pour le meilleur, pour le pire. D'accord, mais c'était hier soir.
Et à vrai dire, je ne m'en rappelle plus. J'ai peut-être dit ça comme ça, mais de toute façon, il faut s'organiser. Alors on va mettre tout ça au clair, cela nous évitera bien des problèmes. Si vous voulez rester chez moi, il faut que vous m'aidiez à tenir la maison. Et qu'est-ce qu'on va devoir faire, Tata ? Eh bien, mon petit Grégory, toi, tu vas sortir dans le jardin et ramasser toutes les feuilles mortes que tu trouveras sur la pelouse, d'accord ? Trinidad, s'il te plaît, rends-moi un service parce que je vais pas pouvoir le faire, j'ai trop mal à la tête. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais laver les escaliers et faire la vaisselle ? Oui. Climaco, je voudrais que tu vides la poubelle, d'accord ? Tabata ? Et moi, j'ai très envie de vous préparer une bonne limonade bien fraîche qui vous fera passer votre mal de tête, j'arrive. Ça te fera du bien. Voilà, c'est mieux comme ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que c'est que ce scandale, hein ? Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit cœur ? Mais comment as-tu osé faire des changements dans la chambre de Madame Bernarda ? Pour qui est-ce que tu te prends ? Intruse ! Tu sais que c'est un manque de respect envers la mémoire de mon frère Adolfo ? Tu ne comprends pas que ma grand-mère est en deuil ? Mais qu'est-ce que tu as fait à ma chambre, Isabelle ? Vivi ! Vivi ! Tu n'es toujours pas levée ? Mais alors, ma chérie, tu ne vas pas à l'université ? Non, je veux pas y aller, maman, je suis déprimée. Mais enfin, Vivi, c'est toujours comme ça avant un mariage. Allez, courage. Lève-toi. Maman ? Pourquoi t'as jamais voulu me dire comment est mort mon papa ? Parce que je n'aime pas beaucoup parler des choses tristes. Ah, mon amour. Ma Vivi, tu sais, ton papa était un homme merveilleux. C'était un homme exemplaire. Et il t'aimait beaucoup, tu sais. Je ne sais pas, maman, parce qu'il y a une chose. Une chose que je n'arrive pas à comprendre. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne te crois pas. Et ne t'avise pas de dire que cette idée de changer la décoration de la chambre de Madame Bernarda est aussi le résultat de ton amnésie, parce que cette fois, je vais avoir beaucoup de mal à te croire. Oh mon Dieu, calme-toi, Emma, tu exagères. Quoi ? Tu trouves pas que c'est elle qui exagère, grand-mère ? En fait, je voulais que cette chambre soit plus lumineuse. C'est que, regardez ces grandes fenêtres, Madame Bernarda. Et puis, ce balcon. D'ici, vous pouvez voir tout le jardin, vous vous rendez compte ? Et voilà, maintenant, je crois que cette chambre est moins triste. Je n'aime pas que l'on rentre dans ma chambre, mais figure-toi que la chambre me plaît beaucoup à ranger comme ça. Et en plus, tu as sans doute raison. Il est temps de sortir de cette tristesse. Et le deuil, grand-mère ! Oh, mon amour. Et la mémoire de Rodolfo ! Ah, mon amour. Bonjour. Ça alors ? Quel changement ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? C'est Isabelle. Elle a apporté un peu de lumière dans cette maison. Et on peut savoir ce que tu viens faire à cette heure-ci ? Oui. Je suis venu chercher Isabelle. Mais qui moi ? Et pourquoi ? Je t'ai déjà dit non. Et quand je dis non, c'est non. Bonjour Dionysio. Comment ça va aujourd'hui ? Bien, monsieur, je vais bien. Je vous remercie. Tu peux lui ouvrir ? Bonjour, mademoiselle. Bienvenue. Bonjour. Merci bien. Je te le dis et répète encore une fois, je t'ai dit non. Bienvenue. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Ici, c'est le département administratif. Ah. Bonjour, monsieur Miguel. Votre café, votre planning et vos messages sont sur votre bureau. Bonjour, Sandra. Voici Isabelle, ma belle-sœur. Oh, enchantée. Bonjour. Je suis ravie. Sandra. Mes secrétaires sont là ? Oh, celle qui est enceinte a pris un congé, la lente et l'idiote sont en cours, elles ne sont pas là. Ah, ces maudits cours. Oui, excusez-moi. Oui, la journée sera longue. L'enceinte, la lente et l'idiote ? Oh, ne t'inquiète pas, Isabelle, c'est simplement le surnom de ma secrétaire. Regarde ce que je vais faire. Je l'éteins. Aujourd'hui, je prends ma journée. Tu veux être complice de ce délit ? Quel délit ? Tu viens avec moi. Non, je t'ai déjà dit non.
Ah, Miguel, c'est que moi, tout ce monde et tout ce bruit, ça me donne... Tu comprends? Ça me donne le tournis. Attends. Non. Isabelle, s'il te plaît, tu as besoin de vêtements. Tu peux pas continuer à t'habiller comme ça. Non. On y va. Non, Miguel, c'est non. Je ne vais rien m'acheter. Et en plus, ici, ça doit être beaucoup trop cher. Et puis, j'ai jamais été... Oui, je sais. Tu ne te souviens pas avoir fait les boutiques avec mon frère Rodolfo, c'est ça? Plus ou moins. Très bien. Alors, si tu veux... On va acheter quelque chose pour mon neveu. Il faut que je gâte. C'est d'accord. Allons-y. Allez, tu viens? Viens! Je vais vous l'expliquer encore une fois pour que vous compreniez bien. Valentine reste ici car son père est en retard. Alors je vous demande vraiment de faire de votre mieux en attendant Monsieur Aristigueta. Oui, madame. Ma chérie, sois sage et attends ton papa. Je t'embrasse. Ciao. Oh mince, c'est pas vrai. Laissez, madame. Voilà. Ah, merci. De rien. Eh bien, je ne sais pas ce qu'on va faire en attendant ton papa, qui est en retard, parce que je n'ai pas les clés de l'appartement. Ça, c'est votre problème. Et toi, maintenant, tu vas être mon esclave et tu devras m'obéir. Un perroquet esclave? Mais tu délires, ma petite. Je vais te donner ton biberon, gros gourmand. Bonjour, Célina. Bonjour. T'as faim, dis-moi? Oui, voilà. Eh, hey, mon neveu, comment ça va? Tu as faim? T'es aussi gourmand que ton oncle. Et voici ton biberon. Regarde, David. Alors, Célina, tout le monde a encore couché dans cette maison. J'ai encore vu personne. Non. Ta maman et ta sœur sont là-haut. Ta grand-mère, dans le jardin avec ses roses. Et la princesse, où est-ce qu'elle est? Isabelle? Non, elle n'est pas là. Elle est partie de bonne heure avec Monsieur Miguel. Ah, avec Miguel. Petit perroquet! Oh, Valentine! Vol, ma petite, allez, s'il te plaît! Vol, oh, quelle horreur! Vol. Mais fais donc attention, tu vas finir par salir tes vêtements, ma petite! Eh bien, tu vois, j'en ai rien à faire. Parce que si je les salis, tu me les laves. C'est pour ça qu'il se paye, mon papa. Vol, perroquet! Vol, 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 perroquet! Vol, vol, vol! Vol, perroquet! Vol, vol! Et ma vieille t'a éparpillé toutes les feuilles. Ah oui! Et tu penses que tu vas en mourir? Et en plus, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est mon perroquet en volant. En volant? Ça se voit que t'as jamais vu voler un perroquet. Ouvre-lui la porte et là, tu le verras voler. Tu crois que je suis une imbécile? Je ne veux pas qu'il s'en aille. C'est le mien. Il a été acheté pour moi par mon papa. Il est à moi et rien qu'à moi. Et à quoi ça sert un perroquet s'il ne peut pas voler? À l'admirer et à l'aimer autant qu'on veut. Mais lui, il va pas t'aimer, ça non? Non, pourquoi? Parce que quand on aime quelqu'un, on ne l'enferme pas. On le laisse libre pour qu'il puisse vivre comme il veut. Si je le lâche et qu'il ne revient plus? C'est simple, il ne t'aime pas. Isabelle, s'il te plaît, tu dois choisir quelque chose. Non. C'est pour ton fils. Oh, le prix n'a pas d'importance. Non. Je ne permettrai pas que tu mettes autant d'argent dans des petits bouts de tissu, même pour David. Non. Non, je veux pas et je ne le permettrai pas. Non. Allez, non, je veux rien. Non. C'est bon. Ce garçon est fou. Non. Eh bien toi, tu es jaloux, tout simplement parce que mon perroquet il m'aime, je suis sûre qu'il m'aime. Lâche l'œil, on verra bien. Ah, tu vois ce que je t'avais dit, il voulait partir pour voler dans le ciel en toute liberté, hein? Ah, il est parti, et maintenant? Eh bien, il est parti très loin, et je ne pense pas qu'il va revenir. C'est ta faute! Tu m'as pris mon perroquet et tu l'as fait partir! Non, ma vieille, tu voulais savoir si ton perroquet t'aimait. C'est toi qui as ouvert la cage. Mais il est parti et il m'a laissé. Alors ça veut dire qu'en vérité, il ne m'aime pas. Ne pleure pas. Tu as peut-être perdu un perroquet, mais maintenant il est très heureux. Et t'as gagné un nouvel ami. Je m'appelle Grégory. Et toi, comment tu t'appelles? Là, regarde. Est-ce que je peux Bonjour, vous aider? Bonjour, madame. J'ai aussi ce modèle-là pour un bébé. Il On est va très prendre beau, regardez. Ça aussi. Et puis voilà. Ça. Tenez. Allez, faites-nous une petite réduction, s'il vous plaît, madame. Hein? C'est vrai, non? Allez, une petite réduction. Regardez tout ce qu'on vous a acheté déjà. Bon, alors, hein? C'est ta faute si mon perroquet s'est enfui. Non, c'est pas vrai, ma poulette. C'est toi qui as ouvert la porte.
C'est toi qui l'as libéré, il a choisi de ne plus revenir. Tu lui as rendu sa liberté, il n'est pas assez stupide pour revenir. T'es méchant et je suis sûre que tu l'as fait exprès. C'est lui, il a fait partir mon perroquet. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, mon garçon? Oh, ma chérie, arrête de pleurer. Je vais dire ça à ton papa et je suis sûre qu'il va t'en acheter un autre, encore plus beau. Non, j'en suis sûre, je ma chérie. Pas un autre, c'est celui-ci que je veux. Tu vas voir, espèce d'idiot. Quand mon papa arrivera, je lui dirai ce que tu as fait, il te mettra à la porte. Mais comment as-tu osé laisser partir l'oiseau de la gamine? Et en plus, tu t'es moqué d'elle en la traitant de poulette. Si j'ai dit ça, c'est parce qu'elle n'arrête pas de pleurnicher. Et en plus, Tata, c'est toi qui m'as dit que c'était pas bien de mettre les animaux dans des cages. Écoute, Grégory, arrête de m'appeler Tata. Et je ne veux plus que tu traites cette fille de poulette. Mais elle ressemble aux poules de mon village à Barlobia. Écoute, Grégory, s'il te plaît, écoute-moi bien. Ici, tu es dans la capitale. Tu n'es plus à Barlobia. Ici, les petits animaux vivent dans les cages. Et dorénavant, je t'interdis de parler de cette manière aux enfants des patrons. Écoute, Tonya. Ne parle pas comme ça, Grégory, s'il te plaît. Il n'est pas habitué aux cris. C'est d'accord, Trinidad. Je ne crie plus. Mais il faut que les choses soient bien claires dans cette maison. Les patrons sont les patrons. Et les employés sont les employés. Et les deux sont comme l'huile et le vinaigre, ils se mélangent très mal. Un autre scandale comme celui-là et je me fais renvoyer. Et si on me renvoie, nous nous retrouvons tous à la rue. Est-ce que c'est bien clair? Voilà. Alors, ça te plaît? Beaucoup. Ça te plaît? Elle est très jolie, mademoiselle. Bon, alors, eh bien, ça nous fait 30 000, plus les sandales. Ça fait 50, non? Tenez. Bien. Merci pour tout, vraiment. Je te promets de tout rembourser le plus rapidement possible. Non, t'en fais pas. Regarde, je crois que ces boucles d'oreilles iront très bien avec ta robe. Elles sont tellement belles, c'est pour moi. Quel beau cadeau. Merci bien. Elles sont très belles. Oh, je te demande pardon, laisse-moi porter les sacs. Non, laisse-moi faire. Non, ça va, si, mais... Miguel, laisse-moi t'aider. Allez, laisse-moi. Et merci, madame. Merci beaucoup. Merci. Allez, viens. Allez, allez, viens. Ah, ça fait du bien. Ouais. Avec cette chaleur, il faisait tellement chaud dans la rue que je mourais de soif. Et toi, mon pauvre, tu avais le visage tout rouge, Miguel. Ouais. Ouais, je n'en pouvais plus. Et j'ai un peu de mal à supporter cette chaleur. Et tu es têtue, ma belle, hein? On aurait pu tout acheter dans le centre commercial sans avoir chaud. Non, comment ça? Là-bas, tout est bien trop chic, tu sais. Et puis, on a réussi à trouver les mêmes choses, mais beaucoup moins cher. Et puis, je te jure que... Pardon. Enfin, je voulais dire, je vous jure Isabelle. Que... Isabelle, nous sommes de la même famille. Je sais que les Colombiens se vous voient d'habitude, mais nous, nous sommes... Oui. Tiens, mets ta casquette. Allez, non. S'il te plaît, non, mets-la non, encore non. Une fois. Si, 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 elle te va bien, allez. Mais ne demande mets pas là. Ça, s'il te plaît. Si, non. Allez, s'il te plaît. Ok, tu l'auras voulu, hein, c'est ça. T'es beau. On dirait un clown, c'est ça? Non. Tu veux être avec un clown? Non, non. Hein? Non, ouais. Alors voici le clown rigolo. Tu aimes le clown rigolo, hein? Non. Non. Par et pitié. Vous aussi, vous aimez le clown rigolo? Miguel, arrête. D'accord. Tiens. À toi, maintenant. Assieds-toi. Okay, quelle honte. Allez, vas-y, vas-y. Ah, c'est à toi. Non. Si, 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 si. C'est ton tour. Ah, tu le fais. Non. Comment ça, tu veux non. pas? Tu te dégonfles, non. c'est ça, non. hein? Non, c'est toi, le clown. Moi, je sais pas le faire. Et... Qu'est-ce que vont dire les gens, hein? Allô, Nancy? Que se passe-t-il avec Valentina? Monsieur Miguel. Oh, excusez-moi de vous déranger, mais Valentine n'arrête pas de pleurer. Pourriez-vous venir la voir? Je ne sais plus quoi faire. Attendez-moi, j'arrive tout de suite. Isabelle, je dois passer chez moi, il faut que je voie Valentina, ça t'embête? Non, pas du tout. Vas-y, vas-y. Evelyne, combien de fois encore il faudrait que je vous répète que quand je suis pas au bureau, vous ne devez pas monopoliser le téléphone?
Hey, ça salut, va hey, hey, c'est quoi cette ambiance? Ça manque de rythme. Hey, salut Artis, comment ça va? Alors, tu es prêt pour la course? Yeah, vroom, vroom. Ouais. Et dire qu'en plus de tout ça, il doit s'occuper de China qui en ce moment est de très mauvaise humeur. Est-ce que ce serait pas parce que t'es un mauvais coup? Non, non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de mauvais coup dans la famille Aristigueta. Mon cœur, voilà. Pourquoi m'as-tu fait souffrir comme ça? Ray. Bonjour. Tu es libre, il faudrait que je te parle. Bien sûr, Vivi, bien sûr. C'est quoi cette tête? Tu t'es bagarré avec ton oreiller hier soir, c'est ça? On doit parler. Allons-y. Ah, allez, ma petite chérie, calme-toi, viens là et raconte-moi ce qui s'est passé. Papa, c'est horrible. À cause de ce garçon, mon petit perroquet s'est échappé. Et il m'a dit que si je le lâchais, il allait être heureux. Allez, allez, arrête de pleurer, jolie petite fille. Sinon, tu vas devenir toute froissée comme un vieux journal. C'est moche. Tu veux pas avoir le visage plein de rides, n'est-ce pas? Non. Écoute, tu sais ce que je crois? Même si pour toi c'est un peu difficile à comprendre, le petit garçon avait raison, hein? Ton perroquet doit être en ce moment posé tranquillement sur un nuage en train de discuter avec d'autres perroquets. Ou qui sait, peut-être qu'il picore un fruit délicieux sur un arbre. Pense que tu lui as rendu sa liberté et que c'est ce qu'il y a de mieux. Tu crois pas? C'est qui elle, papa? Est-ce que c'est ta nouvelle fiancée? Alors tu ne veux pas me dire ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais cette tête, Vivi? Dis-moi. Ça ne va pas et j'ai besoin d'en parler. Bon, eh ben vas-y là. Tourne pas autour. Oh, d'accord, je vais tout te dire et sans rien te cacher et sans te mentir, d'accord? Ray, il faut que je parte de chez moi et c'est pour ça que je veux vite me marier avec toi. Veuillez m'excuser, mais je dois vous laisser. J'ai beaucoup de choses à faire. Allez-y, Nancy, vous pouvez nous laisser. Je vais m'occuper de Valentina. Oui, merci. Salut, beauté. Ciao. Salut. Alors comme ça, c'est toi la maman de mon nouveau petit cousin? Tu aurais dû l'emmener, j'aurais pu jouer avec lui. Oui, Sandra. Je comprends et j'arrive tout de suite. Isabelle, je suis navrée, mais il faut que je m'en aille. Valentina, ma petite chérie, excuse-moi. Le devoir m'appelle. Comme d'habitude, tu vas disparaître. Ne vous inquiétez pas, monsieur Miguel. Allez-y, je pense que nous allons rester ici toutes les deux. Tu es un ange, Isabelle, un vrai don du ciel. Je vous promets de revenir rapidement. Bon, ça va, ça va, ça va. J'y comprends rien. Qu'est-ce qui te presse? Je te l'ai dit, Ray, je veux partir de chez moi, et c'est tout. Il faut qu'on trouve une date. Une date pour notre mariage. Non, 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 attends. Il s'est passé quelque chose. Tu sais, Vivi, si nous nous marions, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux partir de chez toi? Ah, je sais, je sais. T'es fâchée avec ta mère, c'est ça? On verra ça. Il ne manquait plus que ça, ce bon à rien dans mon salon. Il est ridicule, cet individu avec son baladeur sur les oreilles. Où voulez-vous que je vous conduise? Oh, j'en peux plus. Madame va chez les Aristigueta, et moi je vais à l'entreprise. Et pour ton bien, je te conseille vivement de ne plus jamais utiliser de baladeur, et de rester devant la porte, entendu? Bien reçu, patron junior. Mais au fait, est-ce que vous appréciez Stevie Wonder? Je comprends pas pourquoi tu veux partir de chez toi si vite. Moi je peux pas, je suis très, très occupé actuellement, depuis l'arrivée d'Isabelle, ma belle-sœur. Et puis enfin, se marier comme ça, de but en blanc, je comprends pas, c'est impossible. Ah. Je ne te comprends pas, Raimundo. Que vient faire Isabelle dans notre projet de mariage? Rien du tout. Je me disais, pourquoi se marier comme ça si vite? On pourrait profiter des merveilleux moments qu'on passe ensemble, en tant que fiancés, et tout ça, non? Tu crois pas? Est-ce que tu veux vraiment te marier avec moi?
Bonjour à tous, comment allez-vous? Bien, merci. Bonjour, bien, bonjour, merci. Comme vous le savez sans doute, nous allons avoir une réunion très importante du groupe. Bien je veux sûr, les sourires bien, de la courtoisie. Mais avant tout, je veux que cette entreprise soit un modèle de productivité et d'organisation. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, oui, c'est clair. Clair, oui, monsieur. Parfait, excellent. Si tout se passe bien, tout le monde y gagnera. Sandra, viens avec moi. Je suis en retard, Sandra. Où en sommes-nous? Raconte-moi. C'est parfait. Tout fonctionne à merveille. Et comment se passent les préparatifs pour la direction? Tout se passe comme prévu. Matériel de soutien, écran, rafraîchissement. Et puis chacun de nos départements a été informé par avance de la visite de nos actionnaires. Et Miguel, il nous reste un peu de temps pour que tu vérifies tous les préparatifs et les écrans. Et enfin, je crois que cette fois, tout marchera pour le mieux et que tu n'auras rien à me reprocher cette fois. Parfait. Tu as appelé la douane? Oh Miguel, j'ai complètement oublié, désolé. Non, ça va, mais n'oublie pas de les appeler. Fais-le après notre réunion. D'accord, très bien. Vérifie que l'ordinateur portable de la salle de réunion fonctionne parfaitement et ouvre-le sur le programme de présentation. Je voudrais vérifier les bilans, les rapports statistiques, les graphiques, tout. Je m'en occupe tout de suite. Oui, ton épouse a appelé. Ex-épouse, Sandra. Excuse-moi Miguel, elle m'a dit de te dire qu'elle voulait... Je la rappellerai plus tard, nous devons d'abord vérifier les graphiques. D'accord. Mais enfin Vivi... Évidemment que je veux me marier avec toi, mais je comprends pas cette urgence. Viviana, chérie, si tu ne me dis pas ce qui est en train de se passer, il va falloir que je vérifie moi-même. Non, s'il te plaît, Ray, ce qui se passe... Mais c'est quoi? Allez, Vivi, pourquoi tu dois quitter ta maison? Quel est le problème? C'est Gaëtan, non? Non, c'est ta maman. Qu'est-ce qu'il y a, Vivi? Rien, c'est rien, rien. Oublie ça, mon amour. Au moins maintenant, je sais que tu veux m'épouser. Ciao. Je ne sais pas si je le veux, mais je sais que je n'ai pas beaucoup le choix. C'est ma maman. Elle est pianiste et chef d'orchestre. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as étudié? Moi? Eh bien, je sais très bien cuisiner. Et je suis bonne en mathématiques. Et toi, tu t'en sors avec les chiffres? Mal. Ici, le seul qui s'en sort avec les chiffres, c'est mon papa. Parce qu'il discute toujours avec les banques. Ah ouais? Alors il doit souvent t'aider à faire tes devoirs. Non, il n'a jamais assez de temps pour moi. Ah. Bonjour, je te dérange pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux tout de même pas que je t'appelle chef et que je te traite comme tous les lèche-bottes de cette boîte? Non, mais tu pourrais au moins frapper avant d'entrer. Tu m'as fait une de ces peurs, mon vieux. Ne t'en fais pas, mon vieux. Tu as le cœur d'un adolescent. Et je crois que tu vas enfin t'en resservir. On m'a dit que tu es sorti avec ta belle-sœur. Rolando, n'insiste pas, j'ai pas envie d'en parler. Où l'as-tu emmenée? Nous sommes allés acheter des vêtements pour elle et pour son enfant, c'est tout. C'est l'excuse parfaite pour la connaître. Tu vas finir comme Pygmalion, fou amoureux de ton œuvre. N'insiste pas, je ne veux pas rentrer dans ton petit jeu. Isabelle n'est rien de plus que ma belle-sœur, rien d'autre, tu vois? Alors s'il te plaît, arrête de te faire des idées. J'y vais. Classique mécanisme de défense. Aristigueta enamoratum est. Eh bien, laisse-moi te dire que ta maman est très belle. Oui, mon papa me dit très souvent que je suis aussi belle qu'elle, que nous sommes comme la lune, claire et transparente. En revanche, toi, tu es comme David, métissé. Je vais aux toilettes. Et fais pas tomber le cadre, il est très fragile. J'en ai marre. C'est mon cœur qui est comme du verre et qui va éclater. Oh, le petit foncé, le métissé, la métissée, tous ces noms. Oh, ces gens-là n'ont que ça comme sujet de discussion, quoi. Ah, oh, chère grand-mère. Oh. Répondez, tante Tonia, répondez. Ah, allô? Barbarita! Barbarita, enfin, c'est toi! Maman et moi, on est très inquiets pour toi! Ah, Climaco! Climaco, comme c'est bon d'entendre ta voix, tu sais! Comment vas-tu, et maman? Vous êtes touchée, Tantonia? Ah, Climaco, j'aimerais tant te revoir! J'aimerais tant! Il faut que je te raconte tout maintenant! Il faut que je te raconte tout ce qui m'est arrivé! J'en peux plus de vivre comme ça! Oui, mais donne-moi ton adresse, oui! Oui, je peux la noter! Dis-moi! Ne t'en fais pas, je vais me renseigner pour savoir où ça se trouve. Une maison, c'est ça?
tout près d'un mur de pierre. Oui, oui, je t'attendrai là-bas. J'y vais, mais surtout, tu ne t'inquiètes pas. Tu restes calme, d'accord? Je t'attends, mon petit frère. Tu sais, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? À qui tu parles, Isabelle? Moi? Eh bien, je m'amusais avec le téléphone. C'est que je m'ennuie quand je suis toute seule, tu vois. Ça ne t'arrive jamais à toi de jouer avec un petit copain imaginaire quand tu es toute seule? Écoute, moi, je joue toujours avec mon amie Rose Lanoire. Tu la connais, elle? Elle danse sur le rythme des tambours et elle adore manger des fruits qu'elle cueille elle-même. Et après, imagine qu'un jour, on était près d'une rivière et elle était toute seule assise sur une pierre et puis... Fais voir, Omar. Je voudrais que tu mettes ces palettes par ici. Monsieur Gaëtan, bonjour. Ah, bonjour. Justement, je voulais te voir, Fernandez. Qu'est-ce que fait cette marchandise ici? Si cette marchandise est ici, c'est qu'elle est en mauvais état. Comment ça, en mauvais état? Ces fournisseurs sont des partenaires très sérieux. Ils l'ont apporté il y a peu de temps. Omar, viens ici. Montre-moi. Cette marchandise est parfaite. Je comprends pas. Là? Bon, elle est bonne ou pas? Réponds. Je ne l'avais pas vérifié, monsieur Gaëtan, mais... Vous ne l'avez pas vérifié? Je reçois les ordres d'en haut. D'en haut? Mais en haut, c'est moi! Et je n'ai donné aucun ordre! Aucun! Je veux que tu me donnes une explication claire sur ce qui s'est passé avec cette marchandise. Eh bien, pour dire la vérité, j'ai reçu cet ordre directement de monsieur Hannibal. Ah oui, alors si Hannibal te demande de te jeter immédiatement par la fenêtre, toi tu le fais! Mais non, il ne s'agit pas de ça, monsieur... Je vous demande de m'informer et surtout de bien m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé exactement. Hannibal et toi, vous avez intérêt à donner une explication bien claire. Et retire-moi tout de suite cette étiquette endommagée et j'attends ton rapport. Attention, attention à toi! Encore, Isabelle, c'est super drôle. Bien. Allez. D'accord, mais c'est la dernière fois parce que je suis fatiguée. Alors mon ami imaginaire m'a chanté ça. Je suis la noire, Rose la noire. Et lorsque je vais au marché, on me dit... Oh là là, je suis la noire, encore une fois, Rose la noire. Allez Isabelle. C'est comme ça qu'elle danse. Attention à toi. Ah, c'est comme ça qu'elle danse, Rose Bonjour, la noire. Ma princesse. C'est comme ça qu'elle bouge. Attention à toi. Regarde attention, maman, attention. Comment danse Rose la noire. C'est comme ça qu'elle danse, un pas en avant, un pas en arrière. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que tout ce désordre? Et dis-moi, qui est cette fille? Que fait-elle avec toi? Qui es-tu? Mais maman, elle c'est la belle-sœur de mon papa, la maman de David. Ah, Isabelle. Ah, ma pauvre petite, désolée. Ah, excuse-moi, mais tu sais, en voyant tout ce désordre, j'ai pensé que Miguel avait laissé la petite avec une étrangère. Valentine, ramasse les coussins et remets-les en place, allez. Oh, non, laissez, je vais les ranger. Ce qu'il y a, c'est que la petite était triste, et alors... Valentine, ramasse les coussins. Oui. Ma fille n'est pas habituée à jouer en lançant des coussins à travers le salon parce que ce ne sont pas des jouets. Valentine est une petite fille bien éduquée, Isabelle. S'il te plaît, Isadora. C'est moi qui ai demandé à Isabelle de s'en occuper. C'est bon, laisse ça, ma chérie, ne t'en fais pas. Viens. Ne critique pas mon autorité devant notre petite fille, Miguel. Allez, on y va, Valentine, on y va. Ne dérangeons pas plus longtemps ton papa. Isadora, s'il te plaît. Isabelle, ce fut un plaisir de te connaître. Miguel, quand tu auras un petit moment, appelle-moi. J'ai besoin de te parler seul à seul. On y va, Valentine? Au revoir. Au revoir. Alors comme ça, maintenant tu joues avec les coussins. On dirait une sauvage, hein? Quelle horreur. Isabelle, je suis navrée. Je ne sais pas quoi te dire, sincèrement. Excuse-moi. Non, ne vous excusez pas. Je me suis beaucoup amusée avec votre fille et avec Rose la Noire. Avec qui, Rose la Noire? Tu dis pourquoi tu dis ça que je vois pas? C'est elle. Attention. C'est pas vrai.
Ces gens sont complètement débiles. Pourquoi jette-t-il ces feuilles? Alors qu'on pourrait en faire de l'engrais. Tout ça fera un excellent engrais. Wouh! Ici, il y a des sacrées nanas. Elle est superbe, celle-là. Mais cette fille... C'est Barbarita? C'est sûr! Barbarita! Barbarita, c'est moi, Grégory! Barbarita! Barbarita, c'est moi, Grégory! Barbarita! 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 T'es vivante, Barbarita! Je le savais! T'es vivante! Oh, ma tante, cette couleur vous va très bien. Tu trouves? Pourtant, d'habitude, je ne mets jamais de vernis rouge. Et est-ce que vous avez aimé le cocktail que j'ai préparé? C'est délicieux. Délicieux. Mais je n'ai pas l'habitude de boire. Non, non, pas non, du tout. Vrai. Seulement, avec la chaleur en ce moment, mon amour... Oh, c'est bon. Tibi, chérie, quand est-ce que tu comptes commencer à te remuer un peu? Ou est-ce que cette situation te convient? Parce que laisse-moi te dire une chose. Ici, dans cette maison, chacun doit gagner son bout de pain. Quand est-ce que tu te mets à travailler? Enfin, ma tante, ne mettez pas la pression comme ça. Je vais chercher du travail, mais... Moi, ce que je cherche, c'est... C'est une place de chef, parce que vous savez... Je ne suis pas faite pour un boulot médiocre. Moi, je suis faite comme vous, pour les grandes choses. Uniquement maman, pour les grandes maman, choses. Maman, maman, maman! Barbarita est vivante, maman, je l'ai vue. Barbarita est vivante, croyez-moi, elle est vivante, je l'ai vue. Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como el fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera. Ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. El eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión.